à Toutes et à tous, euh, j'ai le plaisir d'accueillir euh, Antoine Ménard, euh, qui est le président de Recrutimo. Euh, on s'est rencontrés euh, à l'occasion du congrès de la FNAIM. Ouais. Il n'y a pas très longtemps maintenant, euh, pas très longtemps, ouais, ça mais, mais c'est presque déjà l'année dernière. Hein, ouais, euh, et je sais qu'à l'époque, on parlait beaucoup d'expansion, de développement et de recrutement. Ouais. Et euh, j'ai toujours considéré que le un des bah, le plus important dans une entreprise, c'est bien sûr, ce sont bien sûr les hommes et les femmes qui la composent. Et euh, c'est très important de pouvoir compter sur de bons collaborateurs qui euh, vont comprendre la vision, qui vont aller de l'avant et, et euh, réussir. Et je pense que ça, c'est clé. Euh, on avait fait ce point ensemble, et euh, tu es aujourd'hui le leader du recrutement. Euh, Dans auprès, auprès de, nos, <laughs> de nos clients agents immobiliers, bien sûr, et, et, et j'avais plaisir, effectivement, de t'accueillir. Euh, je te propose trois parties. Te présenter, parce qu'on ne ouais. se connaît pas tant que ça, et ça sera l'occasion de le faire auprès de nos auditeurs, euh, de nous parler, bien sûr, du service que tu proposes, et puis peut-être en pied de nez à cette période un peu plus difficile, ou en tout cas différente, d'expliquer en quoi le recrutement est toujours aussi important. Voilà, et quelques conseils pour nos clients agents immobiliers. Bien. À toi en fait. Parfait. Bonjour, <laughs> merci de me recevoir. Euh, me présenter alors rapidement parce que sinon on a pour des heures. Euh, voilà. En fait, Recrutimo, c'est la conséquence de toutes mes carrières précédentes puisque j'ai été d'abord dans les ressources humaines. J'ai mm -hmm. fait 10 ans dans les ressources humaines donc à m'occuper en partie de recrutement, pas que, mais, mais en partie de recrutement. Et puis ma carrière d'agent immobilier puisque moi j'ai commencé dans l'immobilier en 2008 avec euh, six agences, transactions, gestion. Mm -hmm. euh, et c'est en fait. Mes problèmes de recrutement quand j'avais mes agences qui m'ont conduit à créer Recrutimo. J'ai d'abord créé une plateforme digitale pour recruter pour moi, puisque je n'y arrivais pas. Et comme ça a très bien marché, je me suis dit, bah, tiens, je vais le proposer à mes petits copains. Peut-être que ça peut faire une entreprise à part entière. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé Recrutimo en 2016. C'est souvent comme ça que ça marche. Qu on qu'on a d'abord mal, on va corriger et ce mal-là pour soi, et puis on se dit mais pourquoi je ne pourrais pas le proposer à quelqu'un d'autre Et euh, c'est comme ça qu'on crée de belles entreprises en général. Donc c'est tout est parti de là. Donc tu viens de l'immobilier, tu connais les ouais, problématiques de l'immobilier. Euh, C'était quoi les problèmes que tu avais Si on parle des pains. Euh, alors moi mon euh, problème dans mon problème de recrutement. Donc moi j'avais, donc on avait, enfin j'avais, nous avions parce que j'avais un associé puisque je, je suis sorti des agences. Ouais. Euh, nous avions six agences, six agences avec deux. Fondateur, mmh. deux associés, ça ne permet pas d'être en management de quotidien dans les agences. Donc il fallait qu'on staff les équipes, mmh. qu'on staff les négociateurs, qu'on mette des managers, mmh. euh, les chargés de location avec des responsables de gestion. Donc il fallait qu'on ait des équipes qui soient compétentes, fidèles, loyales. Et on avait énormément de mal en fait à, à gérer le turnover qui est naturel dans la profession, tout simplement parce qu'on n'avait pas de candidats. C'est-à-dire qu'on avait, on captait peut-être deux, trois candidats par mois mmh. euh, dans un métier où nous on était très ouvert à la reconversion pour. Pour étant, enfin étant issus nous-mêmes de la reconversion professionnelle, donc nous on voulait avoir des, des personnalités, donc on voulait recevoir des candidats, mmh. peu importe qu'ils soient bons ou mauvais, parce qu'en fait il n'y a pas de bons ou de mauvais candidats, mmh. on voulait au moins avoir du choix. Mmh. Et en fait on n'en avait pas. Et donc l'objectif de notre plateforme à l'époque, c'est de se dire, on veut capter un maximum de profils. Mmh. Après on les reçoit et après on choisit, mais au moins on a du choix. Enfin, il y a quand même des acteurs euh, du recrutement historique. Il y en a eu toujours eu. Euh, Parvenir sur des acteurs qui ont peut-être disparu, comme quel job, je plaisante Oui, oh, oui, ouais, ouais, non, mais. Il y avait d'autres. Oui, tout à fait. Euh, qui emploi, ont pris beaucoup enfin, de recul, <laughs> Qui ont été intégrés dans des espaces grands, ouais. Mais en tout cas, il y a toujours des acteurs. Tu t'es dit, il n'y avait pas un acteur qui pouvait euh, euh, s'occuper de moi euh, parce que l'immobilier, c'est un métier particulier, c'est ça Non, alors en fait, il n'y en avait pas. Et, oui, l'immobilier est un métier particulier, ouais. mais c'est plutôt la structuration de l'immobilier qui est particulière. Ouais. Ouais. L'immobilier est un marché extrêmement éclaté. Ouais. Et en fait, le constat qu'on a fait, c'est de dire s'il y a 100 candidats qui veulent travailler dans l'immobilier et 100 agences en face, ouais. la réalité, c'est qu'une agence va avoir 3 ou 4 candidats, tout simplement parce que le candidat ne va pas postuler aux 100 agences. Et de la même façon, bah, le candidat il va s'adresser à trois ou quatre agences, il verra pas les 96 autres. Et donc nous, notre modèle était de dire, en fait, on fait en sorte de capter le candidat et de le mettre en rapport avec tous nos clients. Donc chaque client va voir tous les candidats et chaque candidat est capable de voir tous les clients mmh. en ne postulant qu'une seule fois. Et donc l'idée c'est d'avoir un pipe où chacun se rencontre sans en rater. Et après, chacun fait son choix. Mmh, c'est très intéressant. Ah oui, tu multiplies les chances, de succès. On multiplie les chances de succès. Et on fait en sorte que tous les candidats puissent être vus par tous les recruteurs. Mmh. Parce que le risque, il était là. C'est de dire, en fait, on envoyait trop peu. Et, donc, et ça, pour peu, toi, c'était nouveau, ça ne se faisait pas. Ça ne se faisait pas. Incroyable. Ça ne se fait toujours pas, d'ailleurs. Et donc, ça qu a été quoi le déclic entre l'agence immobilière et le service que vous avez donc développé pour ouais. pouvoir répondre à votre besoin et le passage à l'acte C'est que ça a bien fonctionné. On l'a proposé à quelques-uns de nos confrères de l'époque mmh. euh, dans le réseau. Donc, on était 10-15 et puis ça marchait bien, tout le monde recrutait. Et en fait, comme par hasard, tous ceux qui sont passés par le service. Sont devenus des numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 du réseau. Ah oui. Donc en fait, faciliter le recrutement a permis à chacun de développer sa propre activité. Soit parce qu'ils allaient plus vite dans le développement de nouvelles entités, ah oui. soit parce qu'ils augmentaient les, 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 on va dire la productivité de, de leurs propres équipes, ou ils fidélisaient, parce qu'en fait, quand on commence à recruter, à être à l'aise sur le recrutement, on est plus à l'aise dans son management. Donc finalement, on est meilleur dans, dans la fidélisation de ses équipes. Donc tout ça fait que, bah, on avait des gens plus performants sur leur activité. Ce n'est pas juste performant sur le recrutement, c'est performant sur leur activité. Ça, c'est intéressant. Tu fais le rapport entre bon recrutement, bon management. Obligatoirement. C'est plus simple parce qu'on a les bonnes personnes. Qu'est-ce qui est vertueux est non, ce qui fait est que est le système c est, c est pète mal à l'aise dans, dans sa politique de recrutement Si je suis fort dans mon recrutement, ouais. je deviens fort dans mon management parce que je ne subis plus les désidératas de mes collaborateurs, les pertes de motivation de mes collaborateurs. Je te propose de travailler de cette manière-là dans mon entreprise, avec ces valeurs-là, tu es d'accord, tu restes, on, tu grandis avec moi, je t'intègre, je te forme, euh, tu progresses, tu deviens bon. Ça ne te plaît pas, la porte est ouverte, parce que de toute façon, je peux te remplacer. Mmh. L'idée, c'est pas de jeter les gens. Mmh c'est de faire en sorte qu'ils grandissent avec nous, mais s'ils ne sont plus d'accord avec le schéma, parce que c'est possible, mm. bah tu t'en vas. Ce qui se passait, moi, avant, avant ce schéma-là, c'était qu'on était toujours dépendant de, ah ben bah, il va partir, là, là, bah. il ne veut pas aller en prospection, c'est pas grave aujourd'hui, il pleut, on comprend. Non, tu vas en prospection, c'est comme ça, tu vas en prospection tous les jours. Mm. Si tu ne veux pas y aller, tu vas voir ailleurs, il y a des gens qui seront cool, mais moi, c'est prospection tous les jours. Et à partir de ce moment-là, où on a un management qui est carré, qui est droit, les équipes s'y retrouvent, et le management s'y retrouve, et on n'a plus de problème en recrutement. Alors tu me tends une perche je suis obligé d'y aller directement parce que c'est vraiment le sujet pour moi. C'est le recrutement. On voit que c'est clé ouais. euh, pour tout ce que tu dis parce que c'est vertueux. Tu l'expliques très bien d'ailleurs. C'est vrai que ça, ça m'éclaire en quelque sorte et c'est nouveau pour moi. Euh, en tout cas, cette approche-là, je la trouve très intéressante. Euh, mais on est dans une période où D'après mes informations, on en a parlé juste avant que tu viennes sur l'état du marché immobilier aujourd'hui, en 2023. C'est un peu moins dynamique. Voilà. Moi, j'aime bien voir les choses positives. Et puis ouais. voilà, c'est un peu un retour à la normale. On va dire ça comme ça. Mais donc, d'après mes informations, il y a probablement moins de recrutement. Est-ce que mes informations sont, 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 sont vraies non, elles sont, Oui, elles sont, <laughs> tout à fait, elles sont tout à fait, justes. Et donc deuxième question est-ce que pour autant le recrutement est toujours aussi important Il est encore plus important qu'auparavant. Ah, il est encore plus important. Il ouais, est encore pourquoi. plus important. Alors de mon point de vue, hein, mais, ouais, mais c est c est de ça vrai, de ça devrait. De Moi j'ai commencé en 2008. Ouais. Au moment c'était une crise fondamentale, enfin fabuleuse. Donc j'ai à ce moment-là j'avais dit je recrute pas, mm. je serais déjà mort. Donc c'est dans les périodes de crise qu'il faut se structurer. Pourquoi c'est difficile aujourd'hui Effectivement les entreprises disent on fait moins d'affaires, on a moins de transactions, euh, donc je ne suis pas en période de recrutement, je vais plutôt me séparer de mes équipes. Okay. La réalité, c'est quoi C'est qu'aujourd'hui, pour faire des affaires, il faut donner beaucoup plus que ce qu'on faisait jusque-là, parce qu'avant c'était facile, on rentrait un mandat, on le vendait en trois jours. Aujourd'hui, comme par hasard, il faut appeler les acquéreurs, relancer les acquéreurs, faire plusieurs visites avec les acquéreurs, être beaucoup plus à l'écoute de l'acquéreur, ça prend beaucoup plus de temps, le mandat étant toujours aussi difficile à rentrer, néanmoins. Donc, en fait, faire une affaire prend plus de temps, donc nécessite plus de personnel. Donc, déjà, ça, c'est la première raison. C'est-à-dire que si je réduis mon personnel, je vais en faire encore moins d'affaires qu'auparavant. Mais pour moi, le sujet fondamental, c'est de dire qu'on est dans un, un marché de transition. Le marché de transition, dans l'immobilier, on n'aime pas. On n'aime pas que ce soit de passer d'une crise à une croissance ou d'une croissance à une crise, on n'aime pas. Que le marché baisse ou que le marché monte, on sait gérer quand on est une agence immobilière. Mais quand le marché se transforme, on a du mal. On a du mal pourquoi Parce qu'en fait, on a, des, on a dit, des négociateurs qui étaient habitués à travailler d'une certaine manière. Il fallait rentrer des mandats, il fallait être super rapide sur la, sur la rentrée de mandat, et super fort sur la rentrée de mandat. Mais une fois qu'on l'avait, je ne le mettais même pas en ligne, il était vendu. C'était simple. Aujourd'hui, on est passé d'un... On n'a même pas besoin, même pas besoin de, de baisser les prix. Donc on n'a même pas besoin d'avoir un contact régulier avec c'était avant. Ça, c'était avant. <laughs> Aujourd'hui, le marché a complètement changé. Ouais. Il y a beaucoup moins d'acquéreurs. Ouais. Leur capacité d'emprunt est beaucoup plus faible. Le prix baisse. Donc, mon vendeur, il me donne un mandat. Eh bien, je vais le garder dans le temps. Il va falloir que je travaille mon prix avec le vendeur parce que son prix il est trop haut. Par nature, le marché est en train de baisser. Il faut que je lui explique pourquoi le marché baisse, pourquoi lui doit baisser son prix pour se rapprocher de l'acquéreur qui lui est déjà de marche en dessous. Mmh. Tout ça, ça va prendre du temps. Mais nos négociateurs, nos fameux négociateurs, ils ne sont pas prêts pour ça. Ils n'ont pas, pas été formatés comme ça. Mmh. Et ce que j'avais constaté en 2008, c'est qu'en fait, on peut penser et on peut espérer que notre négociateur va évoluer qu'on va, grâce à de la formation, de l'accompagnement et à son. Son développement personnel, il va se transformer et devenir un négociateur d'acquéreur. Mais de mon expérience, ce n'est pas ce qui se passe. De mon expérience, ces gens-là s'en vont parce que le marché devient difficile, ils ne gagnent pas leur vie, ils se transforment pas. Donc ils s'en vont. Et donc il va falloir recruter des gens pour devenir des remplaçants de ces gens-là et qui vont être capables de suivre les acquéreurs dans ce nouveau marché. Donc suivre des vendeurs pour baisser leur prix, suivre l'acquéreur pour le relancer, le, le, s'occuper de lui tout simplement, ce qu'on ne faisait plus. Euh, et ça, pas les, ça risque de pas être les mêmes personnes. Alors, c'est un constat. Ce ah que ouais. tu dis vraiment, c'est que on, 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 le marché immobilier s'est porté très bien pendant les années. Pourquoi Tu, tu l'évalues quoi À 15 ans, puisque tu parles de 2008. C'est ça Je connais depuis 2008. Voilà, 2008. La, la, la crise voilà. monumentale qu'on a connue, puis hum. euh, un, un rebond, puis un retour en et, arrière, et ainsi de suite. Et, 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 donc on va devoir s'adapter et dans le cadre de l'agence immobilière parce qu'on va ouais. regarder l'agence immobilière, ça veut dire qu'il va falloir recruter des personnes qui vont être en capacité, c'est ce qu'on dit, d'adresser ce marché plus difficile. C'est ça Alors c'est bien choses. ça dont on parle ça va... Oui. Alors ça c'est une des, des choses. La, la première c'est de dire il va falloir remplacer le personnel qui s'en va parce qu'il ne tient pas dans ce marché-là, parce qu'il n'y arrive pas. Pour l'instant il tient à peu près, mais c'est en train de devenir catastrophique parce qu'ils gagnent plus leur vie, donc ils vont aller voir ailleurs. Ce qui s'est passé en 2008, ils vont aller dans d'autres secteurs, dans le retail, dans la restauration, ils vont repartir dans des secteurs où ils vont gagner leur vie. Et ces gens-là, il faut les remplacer. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, quand on va recruter, il va falloir recruter les bonnes personnes, mais il va surtout falloir bien les intégrer, bien les former. Et les former à ce nouveau marché. Parce que les gens, ils ne débarquent pas dans l'immobilier en se disant Chouette, je fais de l'immobilier, c'est facile, j'ai qu'à me baisser, je ramasse de l'argent. Ils sont bons parce qu'on les intègre correctement, parce qu'on les forme correctement et qu'on les accompagne correctement. Ça, ça c'est le beau, beau du bon manager. Or, le manager, aujourd'hui, euh, il est un peu loin de ce, 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 ce statut-là. Ça mériterait un épisode entier, à mon avis. C'est un gros sujet. Ouais, ouais. Effectivement, il faut remettre l'aide de noblesse du manager effectivement, sur cet onboarding qui est, qui est clé pour la réussite. Mais si on est toujours débordé par plein d'autres sujets, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on ne fait pas aussi bien qu'on pourrait. Ah, bah oui, bien mais, euh, mais on est d'accord. On a une nécessité de recruter pour oui. pouvoir adresser ce marché qui est différent oui. aujourd'hui. Alors, comment est-ce que tu fais ça mieux que les autres au travers de tes services Donc, une plateforme, si j'ai bien compris, une présence ouais. nationale Une plateforme digitale, présence ouais. nationale. Ouais. L'international, on verra dans un second temps, mais pour l'instant, on, va, on reste concentré chez nous. En France, oui. euh, le, le modèle de recrutement, il est simple. C'est de ouais. dire, nous, on est toujours dans une notion de recrutement permanent. On se dit, ouais. pour développer son activité, il ne faut jamais cesser de recruter. Même si on n'a pas besoin de recruter, il faut toujours être en alerte. Ça veut dire quoi, Ça, concrètement, pour une agence immobilière Concrètement, c'est je reçois des CV en permanence ouais. et de temps en temps, je fais passer des entretiens au cas où. Ok. C'est pas euh, faire passer 10 entretiens par semaine, mais si déjà je fais passer 2-3 entretiens par mois à des gens dont je, que je vois passer avec un profil sympa, je me dis, s'il est très bon, je le prends en plus. Si j'ai quelqu'un qui est fragile dans l'agence, bah, je sais que j'ai un remplaçant potentiel. Ça, c'est du recrutement permanent. Nous, ce qu'on propose, en fait, à la différence des job boards... Le premier conseil, recrutement permanent. Toujours recruter, en, se mettre en alerte en permanence. Mmh. Toujours se dire que on n'a jamais un acquis dans une agence immobilière. Le turnover est de 30%, on a les crises, on a, on a toujours une bonne raison d'avoir un départ. Euh, donc, il faut anticiper, je vous dis, le, le, la, la perte de, de, de collaborateurs, licenciement, démission, etc., la baisse de productivité des collaborateurs euh, et potentiellement, alors ce n'est pas la période, mmh. mais il faut toujours anticiper aussi un potentiel développement de son Bien activité. Hein, de dire, bah demain, j'ouvrirai une deuxième agence, j'ouvrirai un cabinet de gestion. Il faut toujours avoir des gens. Donc, recrutement permanent. Nous, ce qu'on propose dans ce cadre-là, du recrutement permanent, c'est de dire, à la différence des autres job boards, plateformes digitales, que sont, euh, alors tu citais Monster, quel job des anciennes euh, euh, licornes, ouais. entre guillemets. Maintenant, Maintenant c'est Indeed, oui. euh, notamment. Oui. C'est que nous, on propose évidemment toujours de passer une annonce. C'est la base. Euh, on propose de communiquer sur l'entreprise. Maintenant, tout le monde le fait. Ce n'est pas un sujet. Mais nous, ce qu'on va proposer, c'est de dire que... Au-delà du candidat qui va candidater spécifiquement à l'annonce, tu mets une annonce Ah, bah, j'ai envie de travailler chez toi parce que ta page entreprise est super, ça a l'air sympa, il y a une bonne ambiance. Ok, je postule. Nous, ce qu'on fait en plus, c'est que, toujours dans la logique de dire il faut que tous les candidats soient visibles par tous les recruteurs, tous les candidats qui vont s'inscrire sur ton secteur, mmh. qui disent Moi, j'ai envie de travailler dans l'immobilier, ça m'intéresse. Je m'inscris dans, dans ta zone. Tous ces gens-là, même s'ils ne postulent pas, tu vas les voir. Je vais te donner leur CV, leur profil, et si t'intéresses, tu vas pouvoir le choisir et décider de l'appeler. Donc, il y a une démarche un peu à la, à la, à la manière d'une prospection commerciale. On dit aux gens, il faut prospecter les candidats aujourd'hui. Parce que les candidats, ils ne vont pas tous postuler chez vous. C'est comme ça. Je peux, encore une fois, je reprends un exemple. Hein. Comment on fait pour prospecter les candidats, et ben, concrètement Moi, j'envoie chaque jour à mes clients un panel de profils qui sont inscrits dans son, dans son secteur, en lui disant, regarde, voilà, ce candidat a dit qu'il voulait travailler dans l'immobilier, euh, dans ton secteur, appelle-le, Rencontre-le. Donc, c'est une démarche active, continue. Une démarche qui, doit être act qui doit être active, de la active, voilà, active. Dans Tout une démarche de prospection. Tout à fait. Donc, effectivement, avant même d'avoir quelqu'un qui va vendre auprès d'un particulier ou qui va euh, récupérer un mandat, ouais. il faut d'abord aller prospecter le candidat. C'est exactement ça. ça. Intéressant. Le candidat aujourd'hui. L'évolution des mentalités fait que le candidat aujourd'hui postule de moins en moins. On sait que même si le marché ouais, dans l'immobilier est un peu compliqué, le candidat aujourd'hui c'est la denrée rare. Dans tous les secteurs, on entend qu'il y a des pénuries de recrutement. Donc à un moment donné, on peut attendre derrière en se disant ⁇ moi je suis un cadre ⁇ ils vont tous postuler chez moi parce que je suis euh, Century, la forêt, je suis plus beau, je, je suis plus fort. Ils font des campagnes d'ailleurs. Hein. Ils font des campagnes. Chaque année, il, il faut y a les faire. À un moment donné, si a on pense que chaque projet. candidat va postuler chez euh, la forêt parce qu'on est la forêt, ce n'est pas suffisant. Déjà, dès la fois il y en a partout. Ouais. Chez qui je vais postuler Donc, il faut aller chercher. Et moi, je prends souvent le, le comparatif avec les mandats de dire à un moment donné, vous avez un vendeur qui veut faire une estimation. Il va sur Google, il tape estimation maison. D'accord Et il a quoi Il a 150 agences qui lui passent devant. Il va pas appeler les 150. Non. Il va en appeler 3 ou 4. Mmh. OK Le candidat, c'est la même chose. Par contre, quand l'agent immobilier, on lui dit Monsieur, quelqu'un a une estimation dans votre secteur est-ce que les coordonnées, ça vous intéresse Il va sauter dessus. Mm. Hein, quand on prend le, prenons le PAP, PAP, quelqu'un vend dans votre secteur, normalement, l'agence va l'appeler, le rappeler, Bien lui ça. envoyer des messages, lui envoyer des textos, des WhatsApp, tout ce que tu veux. Que tu veux. Mm. La réalité, c'est que pour un, un candidat, quand j'envoie un candidat dans ton secteur et je te dis, regarde, il est bon, c'est un type, il a, il a de l'expérience dans l'immobilier, il, il veut continuer à travailler dans l'immobilier, appelle-le. Soit il n'est pas appelé, soit je laisse un message et rien d'autre. Mais on n'envoie pas de message, on n'envoie pas de WhatsApp, on ne prospecte pas. Donc en fait, il faut avoir une démarche de prospection et d'approche commerciale qui est la même avec un candidat qu'avec un vendeur, avec un client. La même. Ça, c'est très la intéressant. C'est un bon message à passer à, à nos clients et à nos auditeurs, effectivement, d'être en prospection, parce que finalement, ceux qui vendent et ceux qui vont développer l'agence, bien sûr, ce sont les candidats, ce sont les hommes et les femmes de, ouais. de l'agence. C'est très intéressant. Merci. Donc. <laughs> <laughs> Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter à ça Parce que c'est pour moi, fond... enfin, on a déjà dit beaucoup de choses. Rester en veille permanente, donc prospect... enfin, recruter recruter ouais. de façon permanente oui. et de prospecter les candidats de façon active. Et toi, tu aides bien évidemment, c'est votre rôle chez Recrutimo, oui. que d'envoyer tout le temps Tout le temps. Tous les jours. Donc c'est un abonnement Comment ça marche Il y a un abonnement ouais. On a plusieurs solutions. On a une solution d'abonnement ouais. avec le recrutement permanent. C'est-à-dire que tous les mois, je vais payer à Recrutimo une somme X. Ouais en échange d'envoi de profils réguliers. Avant, on était tout illimité. Dorénavant, on a choisi un mode un peu plus à la carte. C'est-à-dire qu'une petite agence à Clermont-Ferrand, évidemment, je ne lui envoie pas autant de candidats qu'à Paris intramuros. Donc lui, il peut choisir plutôt un schéma où il va avoir, par exemple, 10 profils disponibles chaque mois. Là où le Parisien, il va plutôt prendre de l'illimité parce que lui, il peut en avoir 5-10 par jour. Donc voilà, on essaie d'adapter notre modèle, ça peut être dissévé, ça peut être illimité, et à côté de ça, on a toujours des solutions qui sont one-shot, de dire, moi je veux recruter tout de suite, envoyez-moi 10 ou 15 profils tout de suite. Donc on les envoie par mail, et après choisis dedans. Ça c'est la partie volume, sur la partie qualitative, comment est-ce que vous faites pour targeter et puis surtout répondre aux besoins de vos clients Comment vous faites là comme un cabinet de recrutement classique Alors, non, 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 nous, on fait, ne on fait pas d'entretien avec les candidats. Nous, on est vraiment dans une acquisition qui est à la fois digitale, de notoriété, puisque maintenant, on commence à être vraiment connu sur le secteur. Donc, quand on, on cherche recrutement immobilier, on, on tombe sur nous. On et pour un candidat, il bah, n'y a pas mieux, à vrai dire. Euh, on a aussi on fait beaucoup de salons de candidats, donc on, on se fait connaître. Donc, c'est notoriété digitale. Et en fait, nous, notre rôle, c'est d'acquérir du candidat, un maximum de candidats, et les réorienter, et les Et réorienter les adresser directement vers les agences. Combien de salariés si en France peux... Oui, vas-y, on est 15. Ouais. Mais au-delà de ça, si je ouais. peux ajouter un point, parce que tu dis, on peut faire une émission dessus, ouais. le recrutement, il ne s'arrête vraiment pas ouais. au contrat de travail ouais. ou voilà, au contrat commercial. Ouais. C'est qu'on parlait d'intégration, de management. Aujourd'hui, il y a un tiers des gens qui sont en période d'essai. Il y a 80% des candidats, quand on les interroge, qu'on fait une étude annuelle, qui nous disent qu'ils se sentent mal formés, mal intégrés. Mmh. Donc à un moment donné, ce qu'il faut retenir aussi dans le recrutement, c'est que quand j'ai la chance d'avoir recruté quelqu'un dont le profil est bon, il faut que je l'intègre correctement. Parce que cette personne-là, même si ça prend du temps, parce que former à l'immobilier, ce n'est pas en un mois que ça se fait, euh, il faut le suivre pendant le temps, pendant un mois, trois mois, six mois, mais il faut donner du temps à ces gens-là. On a mis beaucoup de temps et d'argent pour recruter. Derrière, il faut, il faut capitaliser là-dessus. La question que je me pose, c'est est-ce que euh, vous proposez un service sur l'intégration et sur, sur le onboarding Puisque c'est clé, parce que c'est vraiment un point clé, c'est le troisième point, je pense, ouais. te, en termes de message aujourd'hui. Nous, on n'apporte pas de service spécifique là-dessus. Mm. Notre service, c'est que nos clients nous appellent de ouais. manière régulière mm. euh, pour nous faire part de leurs difficultés ou des fois de leur insatisfaction parce que ça ne marche pas ou autre. Et en fait, on essaye de les. Les accompagner, les former, c'est fort. Les sensibiliser d'une part, les accompagner d'autre part. Euh, après, on fait beaucoup de, de, de contenu. Donc, on a du, des articles, on a de la vidéo, des podcasts. Sur l'admin le, le, de, de chaque recruteur, on a mis euh, des podcasts dans lesquels on dit comment recruter, comment intégrer. Donc, on essaie d'apporter ce, cette valeur ajoutée, mais on n'a pas un service dédié à ça. Très clair. En tout cas, l'objectif, c'est que le recrutement se passe bien. On l'a oui. vu, l'onboarding est clé. Donc, on retient les trois éléments fondamentaux de la journée en est en recrutement permanent. Oui. Ça, c'est clé. Toujours. Prospection active, c'est-à-dire qu'on va constamment aller à la recherche de ces oui. candidats qui bon, vont bon, faire bon. la différence et pas en pas partir sur ce marché. On va les appeler une fois que moi je les propose. On va les appeler. Voilà, on va les appeler. À la recherche. Enfin, en tout cas, on va voilà. les appeler euh, de façon active. Et puis, on va, faire, on va prendre soin de bien intégrer. Les nouveaux essentiel. candidats. C'est le onboarding. Merci beaucoup, Antoine. Merci bon d'être venu Thimo. avec nous. Recrutimo, le numéro un de... du recrutement dans l'immobilier ouais. en France. Merci d'avoir été là. Bon Merci. Prêt, à bientôt. Merci à tous. À bientôt.